Bonjour à tous, bonne année d'ailleurs, puisqu'on est en 2021. Et donc, c'est une nouvelle année qui commence, une nouvelle année de meet-up. Donc, on va commencer avec le meet-up 56, et pour lequel nous aurons le plaisir de recevoir Idriss. Bonjour Idriss. Alors, tu es muté pour l'instant. Hello, Ouais, bonjour. salut. Et Idriss qui va nous parler du suivi de l'évolution du Covid sur Raspberry Pi avec la suite Elastic. Avant tout ça, je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé chez Elastic récemment. D'abord, je vous rappelle que nous avons la conférence annuelle le 26 février 2021. Donc, c'est la première fois qu'on fait une conférence communautaire. Il y aura des talks en français. Je crois qu'il y a 6 talks qui devraient être prévus. Il y a plusieurs 25 minutes et puis quelques-uns de 5 minutes. Voilà, suivez-nous, c'est gratuit. Allez vous inscrire sur cet espace-là et puis rejoignez-nous le 26 février. Les sujets en français auront lieu le soir, c'est vers 20 h GMT, je crois, le 26. Nous recrutons toujours chez Elastic. Alors là, je vous ai mis quelques postes de l'équipe Engineering, mais il y a plein d'autres postes disponibles dans l'équipe Enterprise Search, dans l'équipe Observability, dans l'équipe Security. Donc, si vous avez des envies de travailler dans ce domaine-là en particulier, n'hésitez pas à me contacter, surtout. Allez voir c'est jobs.elastic.co. Et puis, voilà, faites votre choix et contactez-nous, contactez-moi si vous le souhaitez. Alors, renouveau, les nouveautés élastiques, la dernière version qu'on a publiée, c'était le 14 janvier, c'est la 7.10.2, qui est un patch de sécurité qui est évidemment disponible sur cloud et que je vous invite à installer et à mettre à jour votre version. Dans la branche 6, c'est pas 18, c'est 6.10.13, pardon, il y a une petite typo, celle-là n'a pas bougé depuis le 22 octobre. Alors, dans les informations nouvelles, vous avez dû entendre parler probablement des changements à venir au niveau des licences que nous avons. Donc, pour illustrer ce propos, j'ai choisi de prendre cette petite photo qui, pour moi, illustre et permet d'expliquer un petit peu tout ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, la situation jusqu'en version 7.10 et avant, vous aviez pour le code source différents types de licences qui encadraient le code source. Donc, il y a pour tout ce qui était gold, payant, en fait, feature commercial, ce qui est en jaune en haut, c'était sous licence Elastic. Pour la version des plugins ou des options gratuites, c'était toujours sous licence Elastic. Et puis, il y avait une partie du code qui était sous licence Apache 2. À partir de la version 7.11, la partie qui était sous licence Apache 2, le code source, vous allez pouvoir choisir si vous voulez utiliser pour cela une licence Elastic ou une licence SSPL version 1. Je vais revenir un petit peu là-dessus juste après. Pour la partie free, basique, si vous l'utilisiez déjà, en gros, si vous utilisiez la distribution par défaut, c'est toujours sur licence Elastic. Et sur la version Gold et au-delà, évidemment, c'est toujours sous licence Elastic. Ce qui est important à noter, c'est en fait, c'est la partie qui est tout à fait en haut, dans la partie binary distribution. Si vous utilisiez nos binaires aujourd'hui et que vous exécutiez nos binaires, par exemple, quand vous faisiez un Docker pull, par exemple, là, vous utilisez notre binaire, en fait, vous aviez déjà une licence Elastic. Même chose si vous faites l'opérateur Kubernetes pour Elastic. C'est pareil, il a déjà une licence élastique. Donc là, ça ne change strictement rien. Vous le faisiez avant, vous continuez à le faire, vous n'avez même pas de questions à vous poser. Si vous utilisiez le code source déjà avec et que vous déployez déjà les versions basiques, avec la licence basique, bah, ça ne change rien pour vous. Vous êtes toujours dans le même cas. Si vous compilez vous-même une distribution que vous mettez à disposition d'utilisateurs, dans ce cas-là, vous devez choisir la licence que vous préférez. Et vous assurez que cette licence elle est compatible avec votre activité. Ce que ça veut dire, c'est qu'à part dans le cas où vous fourniriez une solution de software as a service pour Elasticsearch et que vous n'avez pas de partenariat avec nous, comme par exemple, je vais citer Clevercloud qui a un partenariat avec Elastic, si vous ne fournissez pas de software as a service ou que vous n'avez pas de partenariat avec nous, rien ne change pour vous. Vous pouvez continuer à déployer les versions que vous utilisiez jusqu'à présent dans votre entreprise,
fournir des services comme vous le vouliez avant, voilà. Même si vous utilisez un Elasticsearch en interne dans votre application, ça ne pose pas de difficultés. Je prends le cas de Uber, par exemple. Si vous prenez Uber qui utilise Elasticsearch derrière pour localiser des drivers autour de vous, bah, typiquement, ça ne change rien pour eux. Ils ne mettent pas à disposition le software Elasticsearch à disposition de leurs clients. Ce qu'ils mettent à disposition, c'est leur applicatif. Donc, ça ne change strictement rien. Une petite information, il y a juste un cas particulier qui est pour le client Java, pour ceux qui font du Java. Le client Java High Level, bah, c'est un cas un peu à la marge, je dirais. Il y a notre collègue Sylvain qui est à Toulouse, qui bosse sur une réécriture complète sans dépendance. Et du coup, à terme, on aura une version Apache 2 du client Java Elasticsearch. Aujourd'hui, malheureusement, ce client High Level tire du code qui vient de Elasticsearch. Et donc, du coup, il sera soit sous Elastic License, soit sous SSPL. Néanmoins, dans la FAQ qu'on a fournie, on a dit que l'utilisation d'un client Elasticsearch dans votre application ne sera pas considérée comme une utilisation d'Elastic de façon dérivée qui ne suivrait pas en fait la licence que nous mettons en place. Et dans le futur, donc je ne sais pas quelle version, est-ce que ce sera dans la version 8 ou au-delà, j'en sais rien. En fait, on va tout mélanger, la partie free, basique et tout ça, ça va devenir tout mélangé et il y aura à choisir éventuellement entre la licence SSPL ou la licence Elastic, si vous repackagez l'application vous-même. Sinon, voilà, si vous utilisez la version binaire, enfin comme 99% de nos utilisateurs, en fait, ça ne changera strictement rien pour vous de toute façon. Que puis-je vous dire d'autre là-dessus? Oui, alors sur la licence SSPL, qu'est-ce que c'est que cette licence SSPL? En fait, elle vient de MongoDB qui a établi cette licence. Et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, parce que jusqu'à présent, je ne m'intéressais pas trop à ce sujet des licences, pour être honnête, et là, ça m'a intéressé, c'est qu'en fait, c'est basé sur une licence qui n'est pas du tout exotique. Ce n'est pas un truc que MongoDB a réinventé de toute pièce. En fait, c'est basé sur la licence GPL V3. Sur lequel ils ont rajouté une nouvelle section, la section 13, qui dit que, en gros, vous n'avez pas la possibilité de faire tourner as a service, sans accord avec l'entreprise, ce logiciel. Voilà. Donc, si vous avez le moindre doute, il y a dans la FAQ d'Elastic, il y a un lien qui s'appelle, je crois, license quelque chose, atelastic.co. N'hésitez pas à poser la question, à avoir une validation qu'effectivement, votre cas d'usage, il n'y a aucun souci pour vous, vous pouvez l'utiliser en production sans avoir à rien payer, et l'utiliser gratuitement, les services qu'on met à votre disposition. Voilà pour cette partie. Je vais regarder s'il y a des commentaires, je vois qu'il y a deux commentaires. Ah, c'était bonjour. Bonjour alors. Pour Elasticsearch, ce que j'ai noté, c'est que dans la version 7.11, nous allons changer la heap utilisée par défaut. Jusqu'à présent, on utilisait 1 giga de heap par défaut. Et là, maintenant, ça va être affecté automatiquement en fonction de la mémoire disponible sur votre machine et du rôle du nœud que vous démarrez. Donc, l'idée, c'est de toujours proposer la meilleure expérience possible sur étagère. Vous démarrez votre service Elasticsearch sur votre machine de prod et automatiquement, on va trouver quelle est la meilleure mémoire à attribuer pour votre cas d'utilisation. Donc attention, il y a un cas particulier. Si évidemment, vous démarrez plusieurs nœuds sur la même machine, par exemple sur votre machine de dev, vous risquez d'avoir un message qui dit que il est impossible d'allouer la mémoire demandée. Parce que si on alloue 50% de la RAM à la heap et puis un autre nœud à 50% aussi, vraisemblablement, ça ne va pas tourner. Donc, il y a toujours la possibilité de forcer la heap en écrivant un fichier jvm.option.d dans lequel vous mettez votre heap en dur que vous voulez utiliser. Et voilà, ça permettra de se débrouiller pour ceux qui font du code. Une petite amélioration de l'IHM à venir pour la gestion de Index Lifecycle Management. Un aspect un peu plus graphique. Vous avez peut-être vu en haut, vous allez avoir la possibilité de visualiser concrètement comment vont se passer les différents délais. Donc là, vous voyez, vous avez une hot phase, on active la warm phase, on met le nombre de jours et ça va dire qu'il reste 33 jours dans la warm phase. Et on va pouvoir activer le cold phase. Donc le cold phase aussi, c'est quelque chose qui apparaît en 7.11, dans cette interface en tout cas.
ça va vous permettre de réduire les coûts drastiquement de 50%, puisque les réplicas ne sont plus alloués sur le cluster, mais disponibles dans les snapshots. Donc, vous n'avez plus besoin d'avoir les snapshots, les réplicas alloués sur votre cluster. En 7.12, on devrait même avoir une version expérimentale du Frozen Tier qui va encore réduire davantage vos coûts, puisque la plupart des données, on va les laisser dans les snapshots. Donc, il n'y aura quasiment plus de primaires sur les nœuds, sauf quand vous allez requêter ou on va reconstruire les quelques primaires et puis après, on va les virer. Alors, évidemment, il y aura des latences plus grandes. Et pour ça, je vous invite à voir le talk qu'avait fait Tanguy il n'y a pas très longtemps sur Searchable Snapshot lors d'un meetup précédent. Il avait fait des démos de tout ça, du cold tier et du frozen tier. C'était super intéressant et assez bluffant, pour tout dire. Côté Kibana, j'ai noté que pour les entreprises qui ne peuvent pas utiliser le service Elastic Maps externe, à l'avenir, on va fournir la possibilité de faire tourner en interne le service Elastic Map Server et d'avoir vous-même en interne dans votre entreprise un serveur de map Elastic compatible avec Kibana et qui permettra d'afficher les maps sans avoir à aller sur Internet et sur le serveur Elastic. Donc, vous resterez bien complètement à l'intérieur de l'entreprise dans ce cas-là. Par contre, il vous faudra une licence entreprise pour ça. Donc, ça, c'est l'aspect financier de la chose. Autre info, côté UI, après 2 années de travail, en fait, on est en train de finir la migration de l'ancienne librairie de visualisation qu'on utilisait pour les lignes, pour les barres et pour les aires. Et on utilise maintenant notre propre librairie Elastic Charts. Alors ça va être activé en 7.12 par défaut, avec la possibilité de revenir à l'ancienne implémentation avec un feature flag dans Kibana. Mais vous allez pouvoir maintenant bénéficier en 7.12 par défaut de cette nouvelle bibliothèque Kibana Chart. Elasticsearch, pardon. Voilà, avant de passer la main à Idriss, les prochains sujets. Le prochain sujet, c'est le 11 février. Stéphane Bourg qui va nous parler de la gestion de la crise quand votre cluster devient rouge, ce qui peut vous arriver, j'espère pas. Mais que faire dans ce cas-là? Donc Stéphane nous racontera son expérience et puis ce qu'il a fait et puis comment il fait maintenant pour éviter que ce problème arrive encore. Adrien Sales, qui est en Nouvelle-Calédonie, se lèvera sans doute très tôt le matin pour venir nous parler de l'int et cartographie des bases de données en mars. Et pour aujourd'hui, je vais laisser la main à Idriss pour nous parler de son sujet. Voilà, Idriss, c'est à toi. D'accord. Alors, bonjour. Donc, du coup, est-ce que vous pouvez me confirmer si vous voyez bien mon écran? On ne le voit pas pour l'instant. Il n'est pas partagé. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok, donc je règle ça tout de suite. Hop, c'est vrai que je m'étais déconnecté. Voilà. C'est bon. Okay. Il est là. Donc c'est bon. Ok. Alors, je vais sur le bon écran. Donc du coup, je vais me présenter très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vois que dans le chat, il y en a quelques-uns qui me connaissent, des collègues, etc. etc. Donc je suis Idriss Neumann, donc je suis consultant SRE DevOps GitOps et à la tête d'une petite structure qui s'appelle Comwork.io. Donc en général, on s'occupe de tout ce qui est déploiement, automatisation des déploiements et découpage en conteneurs d'applications sur le cloud ou sur des architectures basées sur du Kubernetes ou sur du Docker en général. Donc on aime bien travailler avec toutes les technos qui sont représentés ici, et vous noterez bien évidemment la présence de la pile élastique dans la liste des technos qui sont là. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux qui sont affichés ici, voilà. On va passer à la suite. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est de parler d'un petit projet POC qui permet de rapatrier les données qui sont disponibles sur le COVID-19 en open data, donc des données qui sont disponibles, qui sont mises à disposition principalement par les gouvernements ou par des collectifs de citoyens, etc., etc. On va rentrer dans le détail. Et de se baser sur la stack élastique pour pouvoir faire des visualisations, des graphiques, des dashboards et de un peu mieux suivre la pandémie. Et pour s'amuser un peu plus, de faire tourner tout ceci, d'être capable à la fois de le faire tourner sur un VPS classique, mais également sur un Raspberry Pi localement. Voilà. Donc, il y aura une partie intéressante sur le fait d'arriver à faire tourner la pile élastique sur du ARM.
Et enfin, on jouera un peu avec Kibana pour faire quelques graphiques, et je m'attarderai sur un outil que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, enfin qui existe depuis assez longtemps, mais que je commence un peu à utiliser, c'est Timeline, je crois qu'il se prononce comme ça, il s'écrit Timelion, mais ça se prononce Timeline si je ne me trompe pas, qui permet de faire des calculs sur des time series. Voilà. Ok. Donc je vais commencer par rapidement rappeler ce que c'est que l'open data. Donc l'open data, c'est juste des données qui sont, pour résumer grossièrement, ce sont des données qui sont disponibles en accès libre. Elles sont publiées par des services publics, etc., des collectifs, des entreprises. Et surtout, il y a une échelle de qualité qui a été établie qui permet de noter la qualité de l'open data. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est à partir de la note de 2 sur 5, c'est-à-dire les données qui sont disponibles dans des formats qui sont compréhensibles par des process automatisés. Donc, tout ce qui est CSV, XML, Excel, RDF, JSON, YAML, maintenant. Donc, et essentiellement, vous verrez que sur tout ce qui est COVID, la plupart du temps, c'est du CSV, pour ne pas dire tout le temps. Voilà. Donc, si je m'attarde un peu dessus, en fait, ce qu'on a pu observer avec les derniers reportages télé qui sont écoulés sur l'été, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui a commencé à prendre ces données qui sont mises à disposition, notamment, principalement sur datagouv.fr pour les données françaises, mais il y a aussi Our World in Data qui publie pas mal de choses. Et ces données-là, il y a beaucoup de citoyens qui ont commencé à faire des compilations, des représentations graphiques, des choses un peu drôles, des fois, par exemple, comme la trouille aux cartes en smiley sur Twitter. Et l'application qui a un peu plus marqué les esprits, c'est l'application du COVID Tracker par un data scientist qui s'appelle Guillaume Rosière, que vous avez peut-être aperçu à la télé. Donc, il est revenu beaucoup médiatiquement. Et ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, ce qui ressortait beaucoup de ces reportages, c'est que finalement, que ce soit aussi bien les médias ou aussi bien même certains hôpitaux, hein, il y avait des médecins qui étaient passés à la télé pour dire bah, du coup, on s'appuie beaucoup sur ces données qui sont publiées parce que sans ces données, on serait pas capable de prévoir les places disponibles, etc. etc. Donc, on peut s'interroger sur effectivement, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas aussi bien outillé que ça dans les hôpitaux, dans les services, alors que finalement, on va l'observer, avec les données qui sont publiées, ça coûte pas grand-chose à mettre en place. Voilà. Donc, c'est un peu le but de ce projet-là, c'est de montrer qu'avec très peu de moyens, on peut arriver à avoir ce genre de résultats et aussi d'être autonome dans la façon de représenter les données, de faire nos propres graphes, etc. Donc, je vais venir un petit arrêté sur Elasticsearch, évidemment. Alors, Elasticsearch, je l'utilise depuis assez longtemps. Pour ceux qui sont un peu plus vieux, on va dire, moi, j'ai commencé il y a 10 ans par du Apache Solar, qui est, on va dire, une sorte d'ancêtre, voilà, qui est toujours maintenu d'ailleurs, pour faire des moteurs de recherche applicatifs et aussi commencer à faire du log management dès il y a 10 ans, mais il n'y avait pas tous ces outils autour. Et on est passé vers 2014 à commencer à faire du Elasticsearch à la place, qui proposait des API beaucoup plus sympas, une clusterisation beaucoup plus résiliente, etc. à l'époque. Donc j'ai pas suivi trop les évolutions, si Apache Solar est toujours maintenu. Mais en tout cas, on a commencé d'abord par faire du développement autour, de l'utiliser vraiment pour ce qu'il était, ce qu'il promettait de faire à l'époque, donc des moteurs de recherche. Voilà, des moteurs de recherche full texte. Et à partir des données qui étaient indexées pour faire de la recherche, on a également pu commencer à faire des statistiques pour étudier les populations d'utilisateurs sur nos sites web. Donc là, par exemple, c'est une plateforme qui s'occupe des freelances, et à partir de ça, on a pu faire des représentations de proportions des compétences qui étaient présentes parmi cette population de freelance. Voilà. Après, des utilisations plus classiques. Donc, quand on a commencé à faire du suivi de log, on a vu qu'il y avait des outils qui avaient été publiés par Elastic, notamment Kibana. Donc, on fait du suivi de log depuis assez longtemps avec Kibana. Alors, avant, on faisait tout avec du Logstash et on se débrouillait pour avoir un cluster de Logstash et acheminer ça en passant par du Kafka, etc. Aujourd'hui, avec Filebit, c'est beaucoup plus simple parce que la plupart des logs sont déjà
pré-mâchés et peuvent être bien reconnus en termes de format et être indexés proprement sans passer par du grog sur Logstash. On a fait aussi de la publication de métriques. Donc par exemple, ici, vous avez un exemple où c'est des métriques JMX qui proviennent de Kafka et qui permettent de voir un certain nombre de choses en termes d'observabilité, par exemple le retard de consommation sur des topics, le nombre de consommateurs qui sont connectés, la quantité de data qui rentre et qui sortent de chaque topic. Donc pareil, ça à l'époque, on se débrouillait avec du Collect D pour acheminer ça vers de l'Elasticsearch. Aujourd'hui, alors j'ai pas trop bien regardé, mais je crois qu'il y a des métriques bits. Donc David sera sûrement ravi de rentrer dans le détail pour faire du metrics. Du coup, j'ai une utilisation un peu plus particulière. Dernièrement, donc juste avant le Covid, on a commencé à avoir des side projects, donc notamment un projet en partenariat avec des agriculteurs en Tunisie qui font de la culture hors sol, qui n'avaient pas beaucoup de moyens et qui se demandaient si c'était possible d'automatiser la surveillance de certaines de leurs serres avec des capteurs qui remontent des données, donc des données type pH, le pH, l'acidité, la conductivité électrique dans les bassins, la luminosité dans certaines serres, la température ambiante, l'humidité ambiante, etc., etc. Et en fait, l'idée, c'est que quand on arrive sur le marché des agriculteurs, on s'aperçoit entre autres qu'ils n'ont pas Internet de manière constante. Et donc, le marché IoT classique, la plupart des objets font que sans connexion Internet, l'objet ne fonctionne plus. Donc là, l'idée, c'était de proposer, avec les compétences qu'on avait déjà, une solution locale qui permettait de pouvoir agréger les données de tous les capteurs et de pouvoir déclencher des traitements type des alertes, etc., avec des diodes, mais aussi des alertes sur smartphone, etc., en consommant le moins possible Internet et en se synchronisant avec un cluster sur le cloud de manière beaucoup plus ponctuelle, par exemple une fois par semaine. Il faut savoir que là-bas, généralement, ils fonctionnent avec des petites box 4G et donc forcément, ils doivent payer des crédits pour chaque semaine pour mettre un peu de data sur ces box là. Il n'y a pas des abonnements constants forcément. Voilà. Donc forcément, ce projet il s'est interrompu avec le Covid, avec la crise du Covid, il a un peu été mis en pause. Hein. Il y a d'autres priorités qui se sont avérées de tous les côtés, y compris chez les agriculteurs, que la partie automatisation des données. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Enfin, c'est David qui a un peu soufflé l'idée. J'avais commencé à travailler sur récolter les données en open data et agréger ça dans l'Elasticsearch de manière très simple, hein, sur un VPS. Et pourquoi pas sur des Raspberry Pi. Donc, ça peut avoir du sens entre autres parce que bon, on est nombreux à avoir des Raspberry Pi aujourd'hui qui traînent dans des armoires, je pense. Et aussi parce que potentiellement, c'est plus entendable pour des structures publiques d'avoir un coût fixe. Une charge fixe à acheter une fois, par exemple, plutôt que d'avoir un abonnement mensuel, même s'il n'est pas très cher, d'avoir un coût fixe en une fois, d'acheter un Raspberry Pi et de plus avoir de coût du tout. Donc, ça peut être une solution. Et effectivement, donc ça, c'est le setup que j'ai utilisé pour ce POC. Donc là, on a un Raspberry Pi 4 avec 8 Go de RAM et un disque SSD. J'ai déjà fait le test, ça tourne bien aussi avec des Raspberry Pi un peu moins puissants, mais c'est un peu plus résilient d'en avoir deux dans ce cas-là, par exemple d'avoir le Kibana sur un autre Raspberry Pi que l'Elastic. Pourquoi un SSD? Parce que la durée de vie d'une carte SD, surtout quand il y a beaucoup d'accès disque dessus, elle est assez limitée. Je crois que c'est un an d'espérance de vie, donc ça paraissait un peu plus résilient d'avoir un SSD à la place. Et le modèle 4 offre la possibilité de pouvoir booter sur les ports USB 3. Donc après, vous choisissez le device que vous voulez. Et on peut y compris mettre des SSD aujourd'hui, c'est plus ce qu'il y a de très cher. Donc voilà. Donc là, on peut sortir avec un setup d'à peu près moins d'une centaine d'euros pour cette puissance-là. Donc c'est assez exceptionnel. À côté de ça, je vais y revenir, mais j'ai un Raspberry Pi un peu moins puissant qui me sert de GitLab Runner pour pouvoir builder les images pour Raspberry Pi. Voilà. Donc, je passe à la suite. Du coup, oui,
Pour revenir à pourquoi Docker, donc ça nous est un peu apparu comme une évidence pour installer beaucoup plus rapidement et déployer beaucoup plus rapidement sur beaucoup de Raspberry Pi des images toutes faites d'Elastic et des solutions qu'on code qui sont déjà dans des conteneurs prêts à être juste configurés, à être démarrés. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Et effectivement, en termes de distribution ouverte, par exemple, si un petit POC comme ça en open source, ça nous paraît beaucoup plus simple d'avoir des conteneurs qui sont déjà disponibles sur le Docker Hub et que vous avez juste à repouler derrière pour reconfigurer. Donc, j'y viens. Donc, effectivement, alors, on a au début cherché à voir si Elastic était optimisé pour tourner sur du Raspberry Pi et la réponse était non. Voilà. Donc, et en fait, y avait déjà quelques personnes qui avaient fait quelques travaux, mais c'était pas très à jour de Dockerfile avec du Raspberry Pi, avec du Elastic qui tourne sur ARM, et surtout Kibana, j'en avais pas trouvé au moment où je recherchais, donc on s'est dit, on va partir sur les faire nous-mêmes. Donc, je vais commencer par ça. Et donc, hop, tac, je vais basculer sur le repo Git. Donc, on a un premier repo qui est ouvert en open source et qui est aussi mirroré sur GitHub. À chaque fois, tous nos repos, ils sont sur notre GitLab afin qu'on puisse utiliser GitLab CI, GitLab Runner, etc. Parce qu'on est plus à l'aise dessus. Et surtout, dans le cadre des Raspberry Pi, il n'y a pas énormément de solutions sur le marché de la CI/CD qui sont compatibles avec de l'ARM. À ma connaissance, il y en a deux. Il y a GitLab Runner et il y a avoir un petit cluster K3S avec du Tecton qui tourne dessus ou un équivalent qui permet de faire des pipelines par-dessus du Kubernetes. Donc, nous, on est parti sur GitLab CI. C'était un peu plus léger pour ce genre de cas d'utilisation. Et à chaque fois, le repo est quand même mirroré sur un repo GitHub pour ceux qui préfèrent, notamment pour faire des commentaires ou des issues ou des choses comme ça. Donc, à chaque fois, il y a un repo GitHub équivalent et qui est automatiquement synchronisé à partir du repo GitLab. Voilà. Donc, en y revenant. Donc, ce qu'on peut voir dans les images, c'est que, en fait, on tire des images qui sont mises à disposition par Balena Etcher. Donc, c'est l'outil de référence qui permet de flasher ces cartes SD, ces disques pour Raspberry Pi avec des distributions optimisées pour Raspberry Pi comme la Raspbian. Et ils fournissent aussi des images Docker, justement pour qu'on puisse conteneuriser un peu les softwares qu'on est en train de faire. Alors, moi, je suis parti sur la Debian par souci de compétence au début, mais je pense qu'aujourd'hui, faudra revoir s'ils publient pas des Alpine, parce qu'il y a quand même un coût en espace, ça consomme 300 mégas de plus sur vos images juste pour cette distribution-là. Donc, après, ce qu'on peut voir, c'est que c'est du classique. Hein, les seules petites particularités, c'est pour faire tourner Elasticsearch correctement, c'est qu'il faut installer un Java pour ARM, indiquer dans les variables d'environnement que c'est ce JDK-là qu'il faut utiliser et pas forcément celui qui est embarqué. Alors, je me souviens plus s'il y a une distribution qui est embarquée par défaut dans le binaire d'Elastic, je crois. Mais en tout cas, faut indiquer que faut utiliser le JDK que vous avez installé qui vient des repos de la distribution. Voilà. Et ensuite, télécharger des IP, installer et essayer de rendre configurable en variable d'environnement le plus possible pour qu'après vous puissiez, si vous faites du K3S, du K3D ou du Docker Compose sur vos conteneurs, d'être capable de surcharger certaines choses, notamment si vous voulez travailler avec plusieurs nœuds Raspberry Pi, de pouvoir configurer les IP, etc. Et aussi de pouvoir monter des volumes. Par exemple, les datas, elles sont montées dans un volume pour que ça puisse, au redémarrage, ne pas perdre les données. Voilà. Tac. Je vais revenir avec Kibana aussi, je vais m'attarder un peu dessus, parce qu'il y a une petite particularité avec Kibana. Donc tout ça, on l'a découvert en essayant de conteneuriser. Hein. C'est que Kibana est très fortement couplé à la version de Node. Hein. Donc si vous lui dites, par exemple, la 10.22.1, il va plus marcher, il va dire c'est pas la bonne version de Node. Donc ça rajoute un argument de plus de dire c'est très bien de garder des conteneurs où on a un ensemble de cohérents de versions de logiciels qui sont déjà tout prêts à l'emploi sur le Docker Hub pour qu'on puisse plus avoir ce genre de soucis et de télécharger, voilà, par exemple le Node, il était disponible dans les repos de la Debian, cette version-là exactement à un instant T.
on poussait pas les conteneurs sur Docker Hub à cette époque-là. Et en rebuildant ça sur un nouveau Raspberry Pi, donc on rebuildait l'image. Au début, on n'avait pas de registry, donc on rebuildait l'image à chaque fois qu'on installait un nouveau Raspberry Pi. Et ben les versions de Node n'étaient plus disponibles dans les repos. Donc là, du coup, on télécharge tout directement. Et on a des images qui sont déjà dans les registries. Et on fait en sorte de pouvoir surcharger via des variables d'environnement l'élastique vers lequel on veut faire taper le Kibana s'il n'est pas sur la même machine, etc., etc. On peut aussi avoir un Kibana sur un Raspberry Pi qui va attaquer un cluster élastique qui est sur le cloud. Voilà. Accessoirement, on publie aussi quelques autres petits outils. Donc, alors, effectivement, il y a des mises à jour qui ont été faites sur Kibana qui permettent de gérer ce genre de choses, mais on avait publié depuis très longtemps un outil qui permet de faire de la rotation d'indices et qui permet de slacker et de faire ça un peu en mode GitOps, donc de configurer avec des variables d'environnement la rétention, le pattern de date dans le nom des indices pour dire je veux garder tel type d'indice 30 jours, tel type d'indice que 5 jours, et aussi de faire des snapshots sur un disque monté en NFS et de pouvoir voilà, de faire des sauvegardes régulières. Aujourd'hui, je pense qu'il faut plutôt aller s'intéresser sur ce que propose Kibana. Pour l'instant, on l'a gardé parce qu'on n'est pas encore complètement à l'aise avec pouvoir faire du GitOps avec ce que propose graphiquement Kibana. Je pense qu'il y a moyen, parce que tout est enregistré après dans des saves d'objects, de ce que j'ai compris. Donc, il y a moyen de reproduire ça en GitOps après, mais il faut qu'on y travaille un peu. Voilà. Donc, je reviens sur la présentation. Alors, où est-ce qu'elle est la présentation? Elle est là. Donc ça, c'était les images ARM. Juste pour terminer, hein, comme vous avez peut-être pu noter, effectivement, à chaque fois qu'on push sur ces repositories, on a notre GitLab Runner qui se déclenche. Et donc, notre GitLab Runner étant un Raspberry Pi. Par exemple, là, j'ai fait une modif sur Kibana. On voit que on a un Raspberry Pi qui s'occupe de builder le conteneur et de le pusher sur Docker Hub et de le builder donc sur une architecture proche de l'architecture cible où il va être déployé. Voilà. Donc ça, c'est tout pour faire tourner Elastic sur ARM. Voilà. On va passer à la suite. Donc les données en open data, comment je les récupère? Je vais y venir tout de suite. Mais j'ai déjà fait la liste à peu près des sources qui sont utilisées dans ce POC, sachant qu'après on peut compléter, on a rajouté d'autres. Donc on va retrouver bien évidemment les données en open data du gouvernement. Une assurance, je crois, qui a publié un site qui s'appelle Coronavirus Statistique. Alors je me souviens plus du nom de l'assurance, mais c'est en allant sur ce site-là, vous allez retrouver l'assurance qui est à l'origine de ce site et qui publie aussi en open data en CSV. Des données sur le monde entier, Our World in Data, donc ce collectif anglais, je crois. Pareil, ils publient sur un repo GitHub leur fichier CSV qu'ils mettent à jour régulièrement. Guillaume Rosier, donc qui est à l'origine du Covid Tracker, qui publie également des fichiers CSV sur des repos GitHub. Donc, à chaque fois, on a des listes de CSV, et donc effectivement, on va voir tout de suite que c'est très trivial de récupérer ça et d'envoyer ça vers Elasticsearch. Donc, tac. Alors. Voilà. Alors, est-ce que j'arrive à faire basculer mon Visual Studio Code ici? Ouais. Donc, on a la liste exactement des datasets ici qu'on va récupérer. Hein. Et puis, très basiquement, donc en bash, hein, pas plus compliqué que ça, on va à chaque fois, pour éclater du CSV, moi, je trouve que bash est un des outils les plus rapides à utiliser pour faire ce genre de choses. Et ensuite, invoquer un curl pour envoyer ça à Elasticsearch. Donc, on parse les colonnes, on fabrique un JSON exploitable, donc en faisant en sorte que voilà les données qui seront indexées, elles seront dans un format assez standard sur tous les datasets. Et ensuite de ça, on calcule un ID unique à partir du JSON qu'on vient de construire, qui permettra d'avoir des documents uniques dans Elasticsearch. Donc en fait, on fait un HBase64 de la concaténation de ces champs-là en utilisant du GQ. Donc après, on peut rentrer dans le détail de ces fonctions, hein, mais c'est du curl, hein, tout simplement, et du GQ pour calculer les IDs
donc du GQ, du Bass 64, etc. Voilà. Et donc, en faisant tourner ce script-là, il est également packagé dans des Dockerfiles et il s'exécute comme un démon, c'est-à-dire que vous lui donnez, en variable d'environnement la durée d'attente entre deux exécutions. Par exemple, si vous voulez qu'il fasse la récupération toutes les 6 heures, tous les jours, toutes les semaines, etc. Donc, il y a des conteneurs qui sont fabriqués, pareil, sur le repo. Vous allez trouver sur le repo, donc je vous ai mis le lien. Alors, tac. Je l'avais ouvert pourtant. Je vais vous ouvrir ça tout de suite. De la même façon, le repo, il est publié en open source. Et vous allez trouver une documentation plus complète sur comment vous pouvez le démarrer, soit sur votre serveur avec Docker Compose, soit avec sur votre Raspberry Pi avec le Docker Compose ARM. Et de la même façon, il y a deux Dockerfiles, un pour x86, un pour ARM, et c'est publié sur Docker Hub. Vous avez les liens aussi de chaque conteneur sur Docker Hub si vous ne passez pas par du Docker Compose, mais que vous voulez utiliser autre chose pour démarrer vos conteneurs, du Podman, du Kubernetes, etc., etc. Et vous allez avoir à chaque fois, sur chaque image, hein, ça vaut aussi pour les images d'Elastic, une version. Donc, une version, comme ça, vous pouvez choisir aussi de pas vous mettre à jour et si jamais il y a quelque chose d'instable, vous pouvez rester sur la version précédente. Sur les images élastiques, d'ailleurs, pour y revenir rapidement, Elasticsearch. Alors, c'est un peu lent. Vous allez retrouver la version du produit Elastic et la version de notre conteneur dans le même tag pour que vous puissiez suivre, par exemple, si nous on a fait une évolution, mais aussi vous avez la version d'Elastic. Donc, on n'a pas remis à jour depuis la 7.9.1, donc on est un petit peu en retard par rapport aux évolutions que David a présentées en début de session. Mais on va s'efforcer de reconstruire les conteneurs régulièrement avec les dernières versions. Voilà. Et évidemment, on ne distribue pas des versions x86 pour Elastic et Kibana. Elastic le fera beaucoup mieux que nous. Mais voilà, pour l'instant, on le fait pour ARM. Et peut-être qu'un jour, Elastic le fera aussi pour ARM. Et dans ce cas-là, on s'arrêtera de le faire. Voilà. Ouais, il me semble qu'il y a quelque chose comme ça dans les tuyaux. Donc voilà, nous, c'est en attendant pour combler un besoin qui n'est pas encore adressé. Et quand ce sera adressé, on s'alignera sur Elastic, évidemment. Voilà. Et donc, passons à la suite. Et donc là, je vais directement aller sur mes écrans Kibana que j'avais préparés sur un navigateur. Je crois qu'ils sont plein. C'est pas grave. Donc là, j'ai mis sur les slides des captures, mais je vais vous les montrer en live, ça sera un peu mieux. Donc là, on a notre Kibana. Alors, si je me souviens bien, c'est voilà, celui-là. Donc, notre Raspberry Pi avec un Kibana qui démarre très bien et qui répond plutôt rapidement, d'ailleurs. Donc, c'est un seul Raspberry Pi qui contient un Elastic et du Kibana, hein, pour vous montrer à quel point, à la fois, les Raspberry Pi sont devenus des machines très puissantes pour leur prix. Donc, c'est beaucoup plus puissant que des ordis qu'on avait en début de carrière il y a 10 ans. Ouais, de quand est le début de carrière? Comment? Alors moi, ça fait 10 ans. Moi, ça fait 10 ans. Mais il y a 10 ans, j'avais un ThinkPad T410, je crois, qui était en 4 Go de RAM. Et on faisait du Java 6 dessus et c'était très lourd, avec du Eclipse. C'était la mort. Voilà. hop. Et donc, on va retrouver, par exemple, des dashboards qu'on a fait. Je vais remonter sur 30 jours, évidemment, parce que comme c'est des données quotidiennes, ça a du sens. Ça, donc là, on a par exemple... Comment ? Ouais, tu as une question de Benoît, d'ailleurs. Ah oui, pardon. Alors, le Docker Hub, c'est pour distribuer tout simplement les images en open source.
Voilà. GitLab Registry. Je suis pas forcément complètement à jour, mais je crois que dans l'assemblée, il y a Philippe Charrière qui est le grand spécialiste de GitLab ici présent. Je pense qu'elle est devenue gratuite, la GitLab Registry sur GitLab, mais j'avoue ne pas l'avoir encore testée. Avant, elle ne l'était pas. Et donc, potentiellement, nous, on utilise notre GitLab, hein, comme vous l'avez peut-être constaté. En on-premise. Et donc, à la fois, ça nous permet d'économiser de la place sur nos serveurs, c'est-à-dire que comme on rebute beaucoup et qu'on veut distribuer ça de manière libre, ça a plus de sens de passer par une registrie publique qui est un peu plus dimensionnée pour ça. Donc, potentiellement, on pourrait le faire sur GitLab.com si c'est offert. Voilà. Donc, je reviens là-dessus. Donc là, on a des dashboards qui sont composés de visualisations. Donc on a toutes sortes de visualisations. Ici, on a là où on en est des vaccins au 17 janvier en France. Donc 400 000, si je me trompe pas, s'il est bien à jour. Ensuite, on a chaque pays la quantité par jour, de vaccination pour chaque pays. On a les vaccins, les répartitions des vaccins utilisés par pour chacun des pays. Voilà. Donc, c'est pas encore très lisible, mais j'ai essayé de faire en sorte qu'on voit quels sont les pays qui utilisent majoritairement le Pfizer, le Sputnik V, le Sinovac. Je crois que c'est le vaccin chinois. Je suis pas sûr. Voilà. Et donc, pareil, hein, on a toute une collection de visualisations. De la même façon, j'ai le même script, j'ai le même conteneur qui tourne sur un VPS pour vous montrer que. Donc ça, c'est un Kibana normal qui est déployé sur un vrai cluster avec 5 nœuds d'élastique sur plusieurs machines et avec un Kibana. Et donc, en gros, vous trouverez aussi dans le repo la liste des saved objects. Donc toutes les visualisations, tous les dashboards que vous pouvez directement importer, donc que j'importe directement du Raspberry Pi vers mon Kibana qui est sur x86. Et donc normalement, on arrive vers la fin. Et le dernier outil que je voulais m'attarder un peu dessus, c'était Timeline, où j'ai trouvé ça intéressant parce qu'habituellement, quand on veut faire des calculs sur Elasticsearch, on vous indique souvent qu'il faut indexer le résultat. Par exemple, vous pouvez bien évidemment faire des visualisations, vous pouvez faire des moyennes, des averages, des agrégations sur un champ. Mais quand vous voulez faire une soustraction sur deux champs différents ou par exemple faire une soustraction entre la veille et le jour actuel, pour avoir le nombre quotidien. Typiquement, je vais y venir. Ici, j'avais un besoin. Et c'est pour ça qu'on l'a adressé avec Timeline. Donc, c'est France. Donc, ça, c'est les, pardon, ça, c'est les dashboards. Je vais plutôt aller dans les visualisations. Tac. Hop. Voilà, donc là, je vais essayer de décomposer pour que ce soit un petit peu plus lisible. Voilà. Et donc, ça, c'est un outil où Elastic a une super doc d'ailleurs dessus pour expliquer que vous pouvez, toutes les opérations de calcul que vous pouvez faire, vous pouvez calculer des dérivés, vous pouvez faire plein de choses. Et surtout, avec une expression de ce type-là. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que je fais la soustraction entre les données du jour précédent avec le jour actuel pour avoir le nombre de cas dans la journée, par exemple du 19, où il y a eu 23 000 cas dans la même journée, 16 000, etc. Le nombre de décès, malheureusement, le nombre de guérisons aussi. Donc, en faisant ces opérations de soustraction sur des fenêtres de temps. Donc, comme quoi, on peut aussi faire du vrai cas d'utilisation de type time series avec cet outil, de faire des opérations sur différents champs, ou alors à des moments différents. Voilà. Donc, je vais conclure. Alors, je ne sais pas combien de temps on a mis, du coup. C'est bon. J'ai l'impression que... Bon, ça va. Voilà. Tout va bien. Voilà, tout va bien.
Et donc, je vous ai remis les liens sous forme de sous forme de QR code, mais vous pouvez les retrouver de manière textuelle ici. Et surtout, les slides seront publiés dans le même repo. Donc, vous aurez un PDF des slides qui seront publiés dans le repo. Et j'imagine que ça a sûrement été filmé. Donc, s'il y a moyen que ça se retrouve sur une chaîne YouTube élastique ou quelque chose comme ça. C'est en fait live streamé sur YouTube en ce moment. Et donc, la même URL sera disponible très prochainement. Et dessous, j'ai rajouté le lien là, de ton repo. D'accord. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas maintenant. On attend vos questions. Merci beaucoup, Idriss, en tout cas. C'est super intéressant. Ouais. C'est assez impressionnant de voir que, effectivement, Kibana, qui est quand même assez gourmand, Elasticsearch aussi. Bon, là, il y a très peu de données. Tu es le seul utilisateur, donc ça va. Mais ça tient tous les deux sur une machine, alors que nous, on conseille de bien séparer hein, quand même les machines et tout. Ouais. C'est super intéressant de voir ça, que ça tient là-dessus, sur cette architecture. Et si vous avez des doutes aussi, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le montrer. Ça tient depuis 3 jours là, sans interruption, en tournant en continu. Voilà. Impressionnant. Donc après, je peux le laisser tourner un peu plus longtemps. Évidemment, sur le projet que je vous ai parlé précédemment, on a laissé tourner ça pendant des mois et puis ça tourne aussi. Bon, l'autre projet, c'est on a séparé en 2 Raspberry Pi. Voilà, qui sont un peu moins puissants aussi. Voilà. Excellent. Et donc les questions. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de questions. Du coup, c'était super clair. Ouais. Eh bien, ouais. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, vous avez peut-être le Twitter d'Idriss qu'il a montré dans les premiers slides, donc n'hésitez pas à le contacter sur ce sujet. Si vous aussi voulez partager votre expérience avec la communauté, comme vient de le faire Idriss, ben, n'hésitez pas à me contacter, on sera un plaisir de vous accueillir. Et puis, ben, bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Merci encore. Bonne soirée. De rien. Merci à vous. Et j'espère que ça vous a plu. Tout à fait. Très bien.